La pierre de tanzite peut facilement recouvrir la surface d'une terrasse en bois existante. Une fois la terrasse impermeabilisée, la durée de vie de la structure en sera prolongée. Assurez-vous d'abord que la structure est solide et qu'elle n'y a pas de planche abîmée. La terrasse se doit d'être légèrement inclinée afin d'éviter la formation de flaques et de garantir que le ruisselle danse la bonne direction. Une pente d'un demi-pouce est normalement suffisante pour une terrasse de 12 pieds. Si vous n'avez pas, vous pouvez facilement obtenir une pente en réduisant légèrement les poteaux. Il suffit d'utiliser un verin pour décharger les poteaux de la poutre, puis de couper un peu les poteaux à l'aide d'une scie sautose, avant de reposer la poutre. Si vous disposez de poteaux montés en surface, retirez-les et réinstallez-les au-dessus de la pierre tanzite. Ensuite, pour garantir que la surface est bien plane, utilisez une poncesse et passez-la sur la surface pour la niveler. Vous pouvez également utiliser un grand rabot. Maintenant que vous êtes prêt à installer la membrane, passez à cette section.